vite à trouver le dernier guépardo. Mais ils sont coincés au milieu de l'eau. C'est bon, Kit, on va vous sortir de là. Voyons voir si ce croco a envie de jouer au ballon. Dans le mille, bien joué, Puppy. Kit, je suis là. Oh, ma pauvre chérie, tout va bien se passer. Tiens bon, j'ai ce qu'il faut. Go, garde l'assaut. Guide le bébé jusqu'à la rive. C'est ça, Kit. Tu es incroyable. Vous y êtes presque. Génial. Vous avez réussi. Oh. Je suis désolée de pas t'avoir accordé plus d'attention aujourd'hui, mais c'était vraiment pas la peine d'être jalouse. Tu sais bien que tu seras toujours ma préférée. Super, bien joué, Kit. Hein? Hé, on dirait bien que les bébés sont en train d'appeler leur maman. La voilà, elle arrive à toute allure. Accompli. C'est le moment de retourner au patrouilleur. Content de vous revoir sain et sauf, vous avez assuré. Ces guépardos étaient vraiment adorables. C'est clair, ils étaient trop trop mignons. Mais c'est rien du tout comparé à la meilleure amie de tous les temps. Oh, t'aimes ça les gratouilles, hein? Tu l'as trouvé, Puppy? Bravo, mon chien! Fini de jouer, princesse Pet Sweeper! Tu as perdu! Soit tu relâches ce chat, soit on vient te le reprendre! Jamais! C'est mon compagnon à moi! Stop! Où est-ce que tu l'as caché? Dans un endroit où personne ne réussira à le trouver. Mon chat! Oh non, je l'avais placé là-dedans. Pips! Pips! Il faut absolument le retrouver avant elle. Viens ici immédiatement! Que puis-je pour vous, votre insupportabilité? Quelqu'un m'a volé le chat que je me suis offert! Retrouve-le! Mais bien sûr, oui, tout de suite! Là, ce chat s'est emparé de la cage! Passe par les airs, moi je vais le suivre avec Kit. Très bonne idée, Max. Max Mode! Emma, je pense que le singe a juste envie de jouer. Bien reçu. T'es prêt, Puppy? On va jouer à la balle. Canon à balle, activation! J'envoie la deuxième balle plus à gauche. Aussi. Ce sont tous les deux de super compagnons. Bon, il est temps de se dire au revoir, bonhomme. Où tu vas, le chat? Tu m'appartiens. C'est fini, princesse. Laisse-le partir. Tu sais bien qu'on te laissera pas l'attraper. Alors franchement, pourquoi ne pas en rester là? Hé, lâche ça tout de suite, t'entends? C'est un sceptre royal.
Encore un animal sauvé, les amis. Mission accomplie. Grâce à Kit. Et aussi grâce à Puppy, ils sont tous les deux super, chacun à leur manière. Comme quoi, vous avez bien fait d'échanger vos animaux. Bien dit, Gia, c'était une formidable expérience. Pas vrai, Shelly? C'est toi la meilleure du monde et pas besoin de te comparer pour le savoir. Un ballon? C'est pas normal. On va commencer par retrouver la trace de l'ours. Des empreintes d'ours, elles vont par là. Attends, Puppy a repéré quelque chose. Qu'est-ce que t'as trouvé, Puppy? Oh non, on dirait qu'un animal est coincé dans ce sac. T'as rien à craindre, je crois qu'elle a eu aussi peur que toi. Ce sac non plus n'est pas arrivé ici tout seul. Sérieusement, c'est quoi cette manie de jeter des ordures n'importe où? Ok, je lance une analyse des déchets. On devrait vite découvrir d'où ils proviennent. Qu'est-ce qu'il y a, mon chien? Quoi? Un caméléon accroché à un ballon? Mais qui s'amuse à faire ça? Voilà, plus de ballon. Tu peux y aller. Ouais, youpi. Princesse Pet Sweeper, l'ennemi du règne animal en personne. C'est le meilleur endroit du monde. Ravi que ça vous plaise. Quelle magnifique journée. T'es pas d'accord, le perroquet? Hein? Peeves, fais quelque chose. Ce piaf essaye de gâcher mon pique-nique. À vos ordres, votre insupportabilité. Et voilà. Ah non! J'ai déjà dit que je n'aimais pas les sandwichs avec des légumes dedans. Rassurez-vous, j'ai également apporté une brioche au miel avec un glaçage spécial à la rose. C'est jonché de détritus. J'en reviens pas, c'est complètement irresponsable et dangereux. Restez sur vos gardes. On a repéré l'ours et il se dirige vers vous. Je ne sais pas jusqu'où on va retrouver des déchets, mais il y en a partout. Il va vite falloir arrêter Pet Sweeper et tout nettoyer. Ok, moi je m'occupe de l'ours. Pendant ce temps, tu t'occupes de Pet Sweeper. Sois prudente, Emma. Même si c'est l'un des plus petits ours au monde, il n'est pas habitué aux humains. Au cas où, Polly et moi, on va venir vous aider. Super, on se rejoint là-bas. Venir vous aider. Quack. Tu es prête, Kit? Petronix, Max Mod. On est là pour t'aider. Wow! Fais attention, Polly! Je vais le calmer et ensuite ce sera à toi de jouer, Emma. Prépare-toi! Ok, Gia! Super pianophone! C'est bon, Kit. On va y aller en douceur. Go, ruban collant. La toutou. C'est bon, je l'ai. Une bonne chose de faite. Dépêchez-vous, sortez-moi ce cube de là. C'est pas facile, patron. Elle arrête pas de gigoter et la glace, ben, ça glisse. T'es la meilleure, Kit, tu peux le faire. Relâche ces oursons tout de suite, sinon... Sinon quoi? Tu te crois capable de m'arrêter? N'importe qui peut t'arrêter. Tire-moi ça. J'ai pas bien entendu, répète. N'importe qui peut t'arrêter. Raté. Encore raté, toujours pas. Alors, tu t'es pas visé ou quoi? Fais un effort. Arrête de bouger, le patron peut pas te toucher. Qu'est-ce que tu fiches là, sale bestiole? Va-t'en avant que je m'énerve! Tu me touches pas, compris? Bien joué, Kit! Mac Aroni! T'es vraiment un mauvais tireur! Arrête de viser un chat qui court, t'es même pas capable de viser une cible immobile! Oh, je
je vais t'apprendre la politesse. Kit, il faut que tu changes de programme. Parfait, on bouge plus. Attention, le petit glaçon va sortir. Tu as passé mon congélateur en mode décongélation pour sauver ton copain. Malin, maintenant on fait quoi? À cause de vous, la maman part à la dérive. Oh non, Matt, Mike Trapp a raison. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on ne peut pas y aller à pied, on peut toujours y aller en volant. Puppy, mode planeur, activation. Prêt, Puppy? Petronix câble, activation. Que ce soit dans une cage de glace ou dans une cage en fer, je vais vous ramener dans mon zoo. En fait, on va remettre ça plus tard. Oh, ces Petronix passent leur temps à me cacher la vie. Ça, c'est vrai, patron. Les ours polaires ressemblent à de grosses peluches, mais ce sont des animaux redoutables. Oui, à mon avis, Mac Trapp a bien fait de prendre ses jambes à son cou. Encore un animal sauvé, les amis. Mission accomplie. Matt, je te demande pardon. J'aurais jamais imaginé qu'être si mal préparé nous donnerait... Un coup de chaud? La chair de poule? Des sueurs froides? Oui, tout ça à la fois. En même temps, je comprends. Les ours étaient en danger. T'as foncé sans réfléchir. Beau travail, les amis. On pourrait rentrer maintenant. Je rêve d'une bonne tasse de chocolat chaud. Je vais montrer à cette bande de braconniers qu'il ne fallait surtout pas m'énerver. À nous jouer, Kit. Hé, Emma, attends-nous. Emma! Patron, il y a les Petronix qui sont là! Vas-y, fais-toi plaisir! Wow! C'était quoi ça? Oh, tu l'as raté! Laisse-moi faire! Hey, le patron m'a demandé à moi! Hé, vous deux là! Doucement avec le matériel! Oh, on peut vraiment compter que sur moi. Non, arrêtez-vous! Là et là. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, Mike Trapp les a capturés. Oh, d'abord le gorille et maintenant mes amis. Je vais lui apprendre, moi. Quoi? Tu as raison, il vaut mieux scanner les environs. Go, carte scanner! Mike Trapp a truffé les arbres de pièges. Je dois trouver un moyen de... Oh. Tim, tu aurais une idée pour les sortir de là? Laisse-moi deux secondes. J'ai trouvé la tablette. T'en auras besoin pour désactiver les champs de force. D'accord, mais comment je vais faire pour la récupérer? On pourrait peut-être détourner son attention pour qu'il ne voit pas Emma arriver. Regardez ce que j'ai attrapé. Des animaux robots pour mon zoo high-tech, le zoo du futur. Ne sois pas impressionné, Puppy. Je ne le laisserai pas t'enfermer. Par contre, pas sûr que tu impressionnes le gorille avec tes grimaces. Hein? Je te garantis que tu vas ravaler tes paroles. Tu vas voir si j'ai rien dans le ventre. Hé, hey, poilu! Même toi, tu sais que le patron ici, c'est moi, pas vrai? C'est vous, le patron! Vas-y, à toi de jouer, Emma! Go, quatre lasso! Oh, c'est pas vrai, c'est pas le moment! Calme-toi, Emma, ou Mac Trapp va te repérer! Non, c'est pas possible, ce truc! Rends-moi ma tablette, espèce de voleuse! Fermez la cage!
Non, relâchez-le. C'est l'heure de mettre les voiles, les gars. On doit les arrêter. Oh, je suis désolée. Je m'en veux de m'être énervée et d'avoir fait échouer la mission. Tu as encore besoin de retrouver ton calme. Tu veux pas essayer de respirer et de compter jusqu'à 5? Je te garantis qu'il n'y a pas mieux pour se calmer. 1, 2, 3, 4, 5. Ça marche bien. Merci, Matt. J'ai les idées plus claires maintenant. Je me sens beaucoup mieux. Je vous propose d'aller nous occuper de MacTrap maintenant. Bonne idée, Gia. Il faut juste trouver un moyen de contourner ces pièges. Ça va pas être facile. Je pense que si. Je crois que j'ai le plan parfait pour y arriver. Voilà ce qu'on va faire. Ok, on fonce.